Vous sortez ou venez vous m'écouter le soir, madame. On peut laver l'enfant de quelqu'un comme Pino, Choupinet, Tasso, la Lionne. Ce qu'ils sont en train de faire à Amer Kame Oshiga, c'est grave. En tout cas, écoutons. Oui, ils ont déjà construit les maisons, ils sont en train de parler des projets du futur, comment ils vont prendre la pension. Comment ils vont prendre leur pension? Toi, tu es assise ici en train de penser comment je vais faire les matchs avec les petits enfants de 17 ans, mais il faut avoir honte à même Binda, à même Caïman. Regarde le visage, les trous, trous sur la face, on dirait un syphilicien. Mais vous cassez avec les gens qui font les pages, elles ont discuté même avec un faux profil. C'est la loi! C'est-à-dire que quand on va poster ta chose sur sa page, je me plains. Personne ne se plaint. Il est là pour que le contenu, on est là pour que le buzz. Pas donc faire. Ça vous fait mal. Vous avez dit que vous faites le buzz, maintenant vous mettez les organes. Avec Amé. Maman, imagine tes faux ongles avec ta perruque. Sinon, en temps normal, celui-là qui est assis là-bas comme ça, il devait être en train de parler devant l'équipe. À l'âge aussi. Il devait être en train de. Ça, ils sont en train de vouloir corrompre même les pages. Ça rompe. Laissez-moi le problème, c'est que partager. Mini, le problème c'est que le gars à telle sorte qu'ils sont obligés d'avoir les gens autour d'eux pour pouvoir, tu vois, un peu rehausser leur image qui est déjà dans la merde. Et donc, quand ils te voient ami ou pas. Avec une vieille coyote. Vieille coyote. Moi, ça que les problèmes de. On dit quoi, ça que les produits de quelqu'un, c'est pas mon objectif. Oh, ma Audrey d'amour. C'est juste que c'est des mauvais grains. Donc, et moi je défends Flor, je défendrai Flor à vie. Et lui, c'est je serai dans les gradins pour voir la fin. Il ne s'occupe pas des enfants. Hein. Mine des vérités du peuple, il ne s'occupe pas des enfants. Hein. De ses enfants, il ne s'occupe pas. Hein. Il ne s'occupe pas du tout. La mère de son enfant est montée dans le live pour parler. Il a dit, il ne faut pas qu'elle monte pour parler. Il a abandonné les enfants, sans blague, devant Dieu, il a abandonné. Il le sait très bien. Il est parti à l'événement d'Oshiga, il a parti s'habiller là-bas comme un vieux père du village, jusqu'à l'a même chassé de là-bas. C'est... Ça ne m'étonne pas qu'Oshiga n'a pas pu chanter. La gale sur la tête, la gale au corps, partout. Il a visité les dermatologues, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas, hein, que ce n'est plus à leur niveau. Mm-hmm. Un vieux père qui fait le caribou, il me voit, il me bloque. Chopinette, donc ça te fait mal que quelqu'un te bloque. Donc quand quelqu'un te bloque, tu prends ton verre de champagne, tu le sifflotes bien. J'approuve. Tu sais pourquoi ça m'a bloqué? Parce que je ne suis pas la personne. Donc tu vois, j'étais en train de faire, juste en train de monter, tu vois. Ce n'est pas comme si je suis venue chez la personne. Voilà pourquoi ça m'a énervé, parce que c'est quelqu'un chez qui je ne passe jamais. Donc ça, c'est voilà pourquoi ça m'a énervé, parce que tu peux pas me bloquer comme si j'étais ton abonné ou j'étais quelqu'un qui visitait soit ton mur. Moi, je suis abonné chez Mini, je donne les pages de Mini. Hier, je me suis baladé, Mini n'était pas en direct, j'étais fâché. Je voulais même envoyer mon message, mais c'est comment Mini? Mais les gens de Flore, moi, je vais les bloquer. Tu manques deux là. Je ne parle pas de vous les abeilles, hein. Je ne parle pas de vous les abeilles ou bien les personnes qui sont ici. Je parle à ceux-là qui sont là-bas, qui montent les trucs, qui font les appels là. Vous faites vos appels là. Je vous dis que j'ouvre ma bouche aujourd'hui, je touche du bois. Je vous renvoie ça dans vos vies. Peu importe vos lavages et tout ce que vous allez faire. Hein? Le doigt dans la bouche. Comme on dit souvent, je mords ça. Le doigt dans la bouche. Tout ça retourne sur vous, vos parents et vos ancêtres, les yeux ici là. Et on va voir avec les yeux ici, on entendra avec nos oreilles ici. Et de nos bouches, on rigolera ou on pleurera. On va les cris de ça. On verra. On est là, non? Allons. Je veux voir. Je veux voir. Allez, avec vos choses que vous dites, le sang de Jésus, il a des protections là. J'ouvre vraiment les portes là. Je vous mets face à vos problèmes. Au nom puissant de Jésus. Oui, je vous mets face à vos problèmes. Dès ces nuits, vous les toutes les personnes qui complotent et qui attachent là. Amen. On va vous faire ça cette nuit là. Dites que vos familles. Alléluia. Ouais. Donc allez toujours faire. Allez toujours provoquer les gens. Vous seul, vous avez insulté tout un pays. La Côte d'Ivoire dans vos mains. Vous seul, vous êtes en train de clasher les gens. La main que vous a donné à manger, vous avez insulté les abeilles. Ce sont les abeilles là qui ont cotisé où? De leur argent, oh. La sueur de leur sang, la sueur de leur main, oh. La sueur de leur front, oh. La sueur de leur bouche. Oh. Les ingrats comme ça, deux minutes, donne-leur la dose, avancez même. Oh, ah. Flor Delis, tu n'as jamais dragué Flor Delis. Flor n'était pas intéressé par toi. Tu même... habitais dans la maison avec une fille qui s'appelait Michel. Une fille qui s'appelait Michel, oui. Ah. Au village là-bas, à Fink, c'est quoi là? Elle s'appelait, il vivait dans la maison avec la fille. La fille t'a trahi avec Amé. C'est la fille qui est partie prendre 400 euros. Président Abondance m'a payé 400, c'est 450 euros. Elle a versé toute ta vie. On a quoi? Montez où on peut même t'arrêter pour te mettre en garde à vue. On t'a arrêté de te mettre là-bas en prison avant que les abeilles ont cotisé pour que tu sortes. Pas trop, on a cotisé. C'est parce que la reine m'est trop gentille. Mais toi-même, tu connais comment Mafou est. Mafou est cotisé. Cette team a cotisé pour toi. Cette team a fait pour toi. Moi, je suis dans le même salon. Tu n'as jamais bon et loyaux service. Ma Kama is a bitch. Voilà ça qui montre sur son visage comme ça. Kama is a real bitch. Donc, tu peux pas comprendre comment un vieillard comme ça, qui est déjà en train de partir vers la pension, donc il doit y être parti vers la retraite, et assis maintenant avec bouton sur la face parce que la reine mère a été gentille. Elle a offert son amitié. Il a pris ça et c'est ça qui l'a propulsé. Voilà pourquoi les gens ont encore recommencé à parler de ce Babi. Mais aujourd'hui, là, parce qu'il cherche la visibilité, il cherche un nom, il cherche à être reconnu, il décide maintenant de descendre cette femme. Non, il a dit que c'est venu que Nabim, il ne pouvait même plus enlever ça. Dans la catégorie, tu peux pas fuir ça. Tu peux pas non, fuir tu ça. Non, tu peux pas. C'est du hot. Comme ici, pardon. Comme dit Swatasso, comme le Gola a la volonté. Mais c'est l'espoir qui manque. La main comme ça, il s'appelle la même Binda. Un gars que la puberté est en train de le déranger. Le VIH n'est pas gentil. Le VIH doit être très violent. Hein. Le VIH n'est pas catholique. Hein. Non, mais attends, j'aime voir le diagnostic avant d'affiner. Mais pour lui, là, mais c'est quand même fort. Ça se voit que bonjour, le message. Coucou, tu vas bien. Ça va bien, Minichon. Choupé. Avec Amel, la vie facile. On est quand même dans la basse ou bien il était dans quoi? Il était dans quelqu'un qui a fui la basse. Il a dit qu'il était Rambo. On a envoyé seulement deux personnes sur lui. Il a fui sans prendre le sac. Même les enfants d'Amé Kamé n'arrivaient pas à s'occuper. C'est ça qui va faire quoi? Il connaît d'abord comment on s'occupe de l'enfant. Amé Kamé a abandonné ses enfants. Moi, je suis resté comme ça. Il dit que, ouais, mon Dieu.
Les c'est quoi sur son corps comme ça? C'est moi en train de regarder que c'est minime, non, c'est moi qui clash alors que ce n'est pas moi. On ne fait que répondre. Pendant qu'ils ont clashé Flore, pendant combien de temps? Pendant qu'ils ont clashé pendant combien de temps? Je vais venir sur le coup avec Amin Kamen. Tu me fais rire. C'est toi qui m'as dit qu'on n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Aujourd'hui, là, on est en vacances. On va s'occuper de lui. Bien même. C'est sa vie. On insulte ta mère. On insulte tes enfants. Vous aimez souvent conseiller les gens. On insulte ta mère. Non, on insulte tes enfants. Non. Mais vous aimez souvent parler pour venir conseiller tous les gens. On a dit qu'on va empoisonner. Non. On a dit qu'on va détruire ton commerce. Non. On a dit qu'on va gâter ta soirée. Non. C'est ton image qu'on traîne dans la boue. Non. La chose. Et vous tous, là, toute la bande, là, c'est-à-dire que le français est tellement difficile et tellement compliqué de votre côté. Hein. Apprenez même à mieux écrire. Qui est plus mal poli que Oshie? On t'a envoyé ici pour me chercher. Donc je vais enlever le son ici maintenant. Et Ferry va te prononcer. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Tu vas prendre le savoir vivre à qui? Tu vas prendre le savoir vivre à qui? Tu vas prendre le savoir vivre à qui pour venir ici là pour me faire la morale? Pour vous donner un petit genre. À qui est-ce que tu vas prendre le savoir vivre? Qui là ici la passe à moi? Qui m'a appris le français? On t'a dit que je suis en carence éducative. Choupou. Dis-moi quoi. Maman, le visage, ça, les boutons, ça, ça c'est quoi ça? Non, 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 vous connaissez, choisir la photo. Maman, la oh, le coro, coro, comme nous, go. C'est pas possible, ça. Ça, ça vient d'aller là pour faire la morale aux gens. La lionne ici a le tot. Ma faut imaginer, elle a le vrai tot. Il ne te répond plus. Tu ne te réponds pourquoi? Il ne te répond plus. Tu vas écrire fatigué. Tu vas vivre ça. On ne peut pas laisser le classe. On va seulement faire le classe là jusqu'à. Laissez les portes. Oui, tata, c'est il faut qu'on amène le gars ici dans un centre de lavage, là où on lave les chiens. Là. On le frotte bien avec les éponges qu'on frotte la peau du chien avec. Hey! Non, là, c'est pas moi, papa. Ne voyez pas la photo là, vous dites que c'est moi, c'est Amek Amek. Avec le kucha, avec le kucha. Avec le saboulou. On a le laver avec le saboulou. Oui, Tatasso. Bonsoir, Tatasso. Bonsoir, la lionne. C'est quoi? C'est quoi tu as crié comme ça? Tu es en chaleur, Jacques? Je suis en chaleur, Tatasso. Maman, laisse-moi un peu d'abord, mais c'est les clients qui ont même fait. Même si la fille là a fait quoi? Même si Mélissa a fait quoi, Tatasso? Tu comprends, non? Cette femme, une femme enceinte. C'est une personne fragile. Tu comprends? Elle porte un bébé de 6 mois dans son ventre. Mais le fort. Cette femme pourrait accoucher. Tatasso, ne soyez pas comme les personnes qui ont un mauvais cœur. Une femme qui a une grossesse de 6 ou Koukorbo, une femme qui a une grossesse de 6 mois dans son ventre. Le père de son enfant. Mimi, non. Tes copines à côté l'attaquent. Attends, fini, non, Tatasso. Non, attends-moi, Mimi, non. Écoute, tu es dans ton live. Laisse-moi parler. Oui. Si tu te prends en chaleur. C'est quoi? Tu as tout mal de tester. C'est pas mon délit. Moi, j'ai dit l'histoire là hier, Mimi, non. J'ai dit hier qu'on doit laisser Mélissa. Elle doit accoucher. Tu comprends? Elle est enceinte. Oui. Mais tu sais qu'il y a la haine. Je pense que Amek Amek, depuis, il me taquine, il me lance les mots, il me lance les mots. Je pense que Amek Amek, cette poulailler-ci, voir avec le poulailler de Amek Amek, il tombe avec tous les deux. T'es dit. C'est pas où c'est un homme, où c'est une femme, où c'est un animal. Tu connais pas, tu connais plus sa sexualité. Il ramasse tout. Tu le connais même plus sa sexualité. Il est comme moi. Oshiga là-bas, Oshiga là-bas. Tu me veux quoi? Il est comme moi alors. Oshiga là-bas, une femme. Non, tu n'as pas la main, tu parles avec tes bêtises. Je parle avec toi, j'ai dit qu'il attend, il aura la parole. Mais est-ce qu'un homme doit monter ici? Ça, c'est un life de clash. Les hommes là. Il t'a dit que tu es un homme. Tu es une femme. Je suis comme Mini Minot. Ok. Mini Minot est comment? Non. Oui. Depuis Amek Amek me clash, Amek Amek a fait ses choses avec ses collègues pimentiers de Port Kaka. Ils font les matchs de 10 personnes, de 5 personnes. Parce que même Oshiga, et je vais casser tous les papos au jeu pour Oshiga. En fait, même Oshiga, même ce n'est jamais un couple réel. Vous avez fait quoi au Cameroun que c'est un couple réel? Moi, j'avais dit ça. J'avais déjà dit ça. Les deux là. Donc, je vais tout. Ils se partagent seulement les syphilis. Ils sont pas en couple. Les syphilis. C'est eux qui se trouvent les clients entre eux là-bas. C'est un couple de clients. Chacun reçoit la base à son côté. C'est les gens. Et c'est Pierre. Quand tu es en train de jouer au Ludo, il regarde le mec avec ses garnitures. Au lieu qu'ils soient une fausse femme comme les nous qui nous mettent. Mais non, dis-moi, dis-moi. Je t'écoute maintenant. Tu disais que quoi qu'on veut quoi avec Amé, on n'a rien à faire. En fait, est-ce qu'elle exposer la photo de quelqu'un comme ça là, avec tout ce que voit son visage là, c'est même c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que ce gars, vraiment, ils abusent, tu comprends? On peut pas insulter. Attends, Cyril, tu vois quoi sur son visage? La lionne, attends, je finis. Pardon, je m'excuse. Hein. On peut pas insulter la maman d'une personne, insulter ses enfants, insulter tout ce qu'elle a de plus cher, jusqu'à se tenir en public, dire qu'il faut qu'on empoisonne, je vais l'empoisonner, au moins qu'on ait des limites. Quand cette personne est partie en prison, ce sont ces abeilles que tu vois sur ce panel-ci là, ces personnes qui ont cotisé jusqu'à aller cotiser presque 700 000. C'est des personnes qui travaillent en Europe, c'est des personnes qui travaillent en Afrique, c'est leur argent, tu comprends? Qu'ils ont fait parce qu'ils voulaient soutenir cette personne. Demain, ne te lève pas pour venir les insulter. Demain, ne te lève pas pour venir les mépriser. Ça ne se fait pas dans la vie. Pensez au bien qu'on t'a fait. Yéma, que tu as détruit les produits du Flore, tu as détruit son marché. On t'a quand même pardonné. Demain, c'est toi qui reviens encore avec une autre rien, avec ta femme. Ah bon? On va pas dire qu'on va pas aller, on doit laisser. Non, moi, je peux pas laisser qu'il insulte Flore comme ça chaque jour. Mais non, je comprends très bien ce que tu dis. C'est pas. Hein? Il dit que Cyril, tu t'arrêtes à faire, tu dégages, mon frère. Attends, je vais parler. Non, je vais parler quoi? C'est là, laisse-moi parler. Tu t'arrêtes à faire, tu tombes alors. Quoi? Voilà, au sol. Là, ce soir, sa perruque est restée. Remettez-lui sa perruque. Non, il n'a pas la perruque. Les essais de Orchid ont beaucoup de poils. Bon, fais-lui remonter pour qu'il vienne chercher sa perruque. Il ne remonte plus. Il ne va pas lui faire mal. Faut plutôt piquer ou ça fait mal. Ok, viens nous dire où on va piquer alors. Je voulais dire juste le poste ne va pas lui faire mal. Faut plutôt le piquer là où c'est. Viens alors, voilà, t'as sauf, on lui fait remonter, prend sa perruque. Il nous dit qu'il va nous dire où ça fait mal. Oui, fais-lui remonter, il va récupérer sa perruque. Mais t'as fait remonter, tu laisses en bas là-bas, avec ton faux drapeau suisse. J'aurais beaucoup. Si c'était chez toi, en même temps, tu vas dire, tu veux quoi? Hein? Tom! Moi, je jette en bas, mais en bas.
Ça, c'est beaucoup qu'on s'est séparés là. Pour me connaître. Maman. Non, elle te parle pas mal, elle te parle pas mal. Un jour, tu vas jeter quelqu'un en bas, il va perdre son pied. Amel Kamel a beaucoup de problèmes. Tu peux même pas le soutenir. Non, je sais que le policier, maman. Je vais jouer fort tout à l'heure. Ne me dis pas. Maman, on a fait quelque chose dans ton live, toujours la nuit là-bas. Maman, le live était avec le goût juste là. Il dit que j'étais en gaz. J'étais fatigué là-bas. Tu as fait ton test. Non, c'est lui, c'est Amel Kamel, c'est pas mon visage, oh, pardon. Ne vous croyez pas que c'est mon visage. Allez regarder mes photos, encore regarder mes vidéos. En train de regarder mes vidéos et mes photos, pardon. Non, mais tu sais qu'il a d'abord été déporté au Cameroun d'abord, c'est les puces. Il a, ceux qui dormaient que dans la porcherie là-bas au Cameroun. Donc, il a rentré. C'est quoi un tasseau? Oui, c'est quoi la porcherie? Oui, le père est poussé. La porcherie, il vendait les porcs-pieds dans l'autoroute. Calvin. Calvin, mon bébé. Bienvenue, Calvin. C'est quoi ça, mince? Maman, les gens qui si, vous si vous partez même dans sa douche là-bas, il n'a pas les papiers hygiéniques. J'ai fait quoi, papa? La photo, non? Insulter les Ivoiriens. Tu te rappelles pas le moment où il insultait la Côte d'Ivoire, la Calvin? C'est lui, non? C'est lui. Il insultait jusqu'à. C'est lui qui fait le classe avec Makoso. Jusqu'à il avait dit qu'il va faire un gousseau. Makoso a eu peur. Quoi? Makoso a eu peur jusqu'à lui demander les excuses. Il va faire une pétition sur Makoso. Quand Makoso lui a demandé les excuses, j'ai ri jusqu'à il dit que donc on considère même le gars si vraiment. C'est ceux qui ne le connaissent pas, non? C'est ceux qui ne le connaissent pas. Connaissent seulement venir bavarder sur les réseaux sociaux. Le tout, c'est là, non? Je suis là-bas, il a cherché la visibilité fatiguée. Le vieux, ils se sont réunis entre les malades. Vraiment. Je te dis. La force de la visibilité, ils sont derrière la visibilité, ils forcent. Ils sont en train de poursuivre la visibilité jusqu'à. Ils poursuivent, ils tombent. C'est de Oshiga, elle a fait le manjang. Même les vidéos, même on les voit. On a la visibilité plus que ces vidéos à YouTube. On va l'acheter le caribou. On va lui donner le caribou. Tu vas se laver avec. Ouais, le caribou ne peut plus soigner son visage. Il faut savoir le bicarbonate, ça ne va pas attirer. Même le citron. Elle passe sur la ligne sur Pokam. Je te dis que c'est la Pokam. Quand tu fais ce problème, là-bas entre Oshiga. Oshiga est pour caca. Jusqu'à elle est tombée. Hein, tout ça, c'est chien pourri, montement. Bonjour, Mini. Oui, je me rappelle bien de lui. Moi, je sais. C'est le gars qui est parlé par la mafou. Il y a les abeilles ici. Il y a les abeilles ici, mais de hautes. Nous sommes là. Si. Hautes. Ok, les abeilles. Moi, c'est ça, abeilles. On s'en vient. Et que je continue, tu parles. Même les lèvres et sa gale, mais elles sont plus comme ça, datées comme ça. J'espère que sa langue n'est pas comme ça. C'est pareil, ouh, sa langue alors elle est fangte. Eh, gars, ou marmarba, c'est le haricot. Sa langue du beurre. Oshiga, même dans le avec tous les poids de Oshiga là, maman, ça ne doit pas être fangte. Elle est dans le live, Elle est là alors. Oui, elle est rentrée. Celle-là alors, sa poitrine est comme le haricot marmac. Elle va faire comment? C'est comme ça. Une maman NG, elle mange live par live, je ne sais pas comment elle nourrit ses oiseaux. À quelle heure nourrit ses oiseaux? Elle fait les coucher comment? Je ne sais pas. Maman, je sais pas là que. Maman, on a filmé au chip le bus aujourd'hui. Mince! Elle est comme une malheureuse, je te dis que. La donne, laisse un peu d'abord. Au chip quand même d'abord, elle est pauvre, donc je ne sais pas comment elle nourrit ses oiseaux, que tous les jours, elle est sur les lives, tous les jours en fait. Parfois, tu vois comment elle dit aux petits enfants que. Prends un morceau. Elle est incapable de se lever. Incapable. Elle dort que. Donc, tu vois que parfois, elle dort, elle se mute quand ça gonfle. Elle prend le live pendant deux jours. Là où il y a 40 personnes. Elle met son tam-tam. Elle avait raison de partir faire la chirurgie. Parce que j'imagine les lacets, les cravates qu'elle avait. J'imagine. Elle a les puces partout, aux aisselles, les puces partout. Elle a encore les rastas, les puces. Les aisselles poilues. Vous pouvez comprendre même que j'ai gardé les locks parce que je suis un homme. Elle-même, une femme qui a les rastas, les. Tu vois une femme qui vend son yen à 15 euros. C'est normal, c'est ça les puces. Et les cafards. Elles sont dans le live. Elle est dans le live. Regardez les gens qui sont là, elle n'est pas bloquée. Elle n'est pas bloquée. Elle n'est pas bloquée qui la suit d'abord. Caminons la voix. Vous avez filmé dans le train. Tout le monde est en. Elle dit qu'elle est scarabée, elle est vraiment scarabée. Les crabes. Regarde les mains. Attends, les hommes sont sales. Elle est comme une malheureuse. Comme une malheureuse, comme quelqu'un qui vit au village. Salut Tatasso. Salut ma vie, comment tu vas? Eh, je vais bien Tatasso. Salut Mini, salut tout le monde. Elle est là-bas. Hein. Salut. Ça va traquer de partout. Elle sera traquée de partout. Elle est là-bas. Hein. Ça va donner le cacham, mais moi je donne le cacham. Maman, c'est qu'à gripper sur elle et Mini, le tour aussi, c'est le cacham. Pas pour donner le cacham, mais moi je donne le cacham. Mais Mini, le cacham là-bas, ça depuis la Côte d'Ivoire aussi. J'aime beaucoup vous les caresser. Mini, non. Je donne le cash, je donne le cash à ma Côte d'Ivoire, oui, Solange. Mini, non. Ah, Mini, on est là, on est prêt. Mini, non. Oui, Solange. Envoie-moi la photo de. Quoi, vous avez le droit de monter ici, chez Sentinelle, chez Aya, vous n'êtes pas tout feu. Mini, moi, je suis monté même, je commence même. Tata, c'est ma de haute force. Elle est venue ici, elle est partie insulter Yves Dero. Comment Yves Dero est musclé? Elle-même. Oh, mais Tata, est-ce qu'elle peut? Elle peut. Yves Dero n'a pas répondu parce qu'elle. Les enfants avec papa avaient plusieurs S. Ndero, je suis belle. Avec son front qui fuit l'eau. Elle est partie à l'émission de Tata. Parce que tu seras traqué, même dans les trains, ou partout où tu passes, tu es traqué. Regarde. Elle est partie à l'émission de Tata, avec ses potes. Il y a comme un crocodile qui est sorti de l'eau ici, qu'on le ramène dans l'eau. Oui, dis-toi là, tu es parti. Les fesses. Non, mais non, franchement, non, ce gars-là, il est trop arrogant. Il pense qu'il a la bouche. Vraiment. Vous faites doucement avec ceux-là.
Elle a fait la chirurgie. Elle a fait la chirurgie. Elle a remonté ses cravates. Oui, exprime-toi. Hein. Maintenant, les faits, c'est comme pour les navigots. Avec les comment la chirurgie va m'effrayer? La chirurgie va m'effrayer. On peut chirurgier comme ça, puis ressembler à un criquet. La pauvre malheureuse, là, voilà, dans les transports. Dans les transports. On dirait une chenille de nuit. Pêcher là-bas comme ça, regarde les cheveux. Avec comme ça, elle a raté sa vocation en attente de sa formation. Elle fait tout l'hiver. Elle fait tout l'hiver de marabout de nuit. J'ai dit que, en fait, vous n'avez pas compris, ça le coup caïman. Parce que le gars a la tête de caïman qui souffre de l'eau et elle maintenant vient chanter le caïman. C'est de ouf, mais fort. Qui avait vendu le mauvais genre ça comme ça, mais quand même. Vraiment. Jusqu'à la sortie, la musique, tam-tam. Maman, il y a le papa, il est trop fort. Oui. Il dit qu'elle a fait à d'autres personnes. Il dit que les abeilles, traquez là jusqu'au fin fond. Maman, il dit que... Traquez-la partout. J'ai dit que je déclare le cacham. Et je vais sur Facebook faire le live. J'ai dit que maman, il ne fait plus les clashs, mais il n'en fait les clashs. Maman Kafa aux aisselles. Elle a que les cafards et les punaises aux essais. Imaginez, si les essais sont comme ça. Le bien comment? C'est la guerre, c'est la forêt. Des cafards qui jouent la bonne torchie. Bon, la famille, vous nous avez écouté comme moi le soco. Mini, mino, choupinez, tasso, madame. On peut faire ça à l'enfant de quelqu'un comme ça. On peut laver un mec à me Oshiga comme ça, Adam. Ça, Oshiga, elle n'est pas entrée dans le train. Elle dort jusqu'à... Elle s'oublie. Elle oublie donc que si les abeilles ou alors les Romania ou alors d'autres teams décident réellement que ce qu'ils vont les faire, comme vous êtes sur les réseaux sociaux, méfiez-vous de votre image. Évitez de clasher tout le monde. Pourquoi? Parce que quand vous décidez réellement de clasher presque toute la toile, ça signifie que vous mettez les ennemis des autres sur vos dos. Vous ne connaissez pas qui est Abel, vous ne connaissez pas qui est le Romania, vous ne connaissez pas qui est Warriors, vous n'avez plus la team de vérité. Donc, quand vous vous pavanez, rassurez-vous réellement de votre derrière. Pourquoi? Parce que c'est pas quoi, c'est pas une... Quand vous clashez, la dernière fois au Shira, c'est d'abord, on avait d'abord pris ton bras. Te voilà encore, on te filme. C'est juste pour te dire que méfie. Parce qu'on veut juste te dire que tu te méfies. Si c'est que tu calmes dans ta musique, concentre-toi uniquement dans ta musique, mais évite les gens des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que si c'est pas que tu vis au 16e machin, tu penses que si réellement celui qui t'a filmé, il était mal intentionné, c'est là où il partait, il décide que non. Aujourd'hui, paye sa journée pour toi. Là où tu pars, il s'arrête. Là où tu, jusqu'à ce que tu rentres chez toi. Si c'est que l'arrêt, peut-être tu es descendu telle place, la personne que tu es, sauf que voilà où tu vis, tu fais comment? C'est pas quoi, c'est pas du tout, méfiez-vous. Quand vous êtes sur cette team, il y a réellement des personnes qui aiment réellement les leaders là. Que quand la personne voit que non, tu as tellement clashé sa patronne là. La personne dit que le jour qu'elle veut récupérer la gosse, c'est ce qu'elle veut la faire. C'est juste pour te dire qu'il faut seulement dire merci à Dieu. Donc, méfiez-vous. Les réseaux sociaux sont dangereux. Donc, merci à toi.